Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on the channel. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo un petit peu les séries que je regarde en ce moment. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi j'ai l'impression d'avoir un filtre sur la tête, non. Est-ce que j'ai un filtre là? On dirait pas que les couleurs elles sont carrément plus ouf? Remarquez, on dirait que je suis maquillée donc moi ça me va. Alors je vais prendre un petit peu mon application TV Showtime. Donc je sais pas si vous savez mais c'est ce que j'utilise pour être à jour un petit peu dans mes séries, savoir quoi, parce que des fois je regarde, je sais pas, une saison entière d'une série et j'arrête pendant 2 ans avant de reprendre, donc c'est bien pratique de savoir où est-ce que vous étiez arrêté. Et je me suis dit, ces derniers temps j'ai fait pas mal de petites découvertes que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc déjà je vais juste vous partager mon profil, c'est I got my eyes on you, voilà. De la chanson I got my eyes on you, mais avec Agathe, A-G-A-T-H-E. Voilà, c'est très très recherché. Vous me reconnaîtrez normalement sur la photo. Je voulais juste ajouter une dernière série pour pas que je l'oublie de vous en parler. Que j'ai trop aimé en plus cette série. Je me suis dit on allait en parler un petit peu tout au hasard, mais avant je voulais juste vous parler de un film que j'ai vu récemment. Donc ça s'appelle The Fondateur. Le Fondateur. Je vais me décaler un peu pour que vous puissiez avoir les photos ici. Le Fondateur, donc c'est l'histoire de McDo. Par contre, en fait, je trouve pas la série. C'est pas On the Block. Non, In My Block. En fait, Le Fondateur, c'est l'histoire d'un gars qui a jamais vraiment réussi dans la vie, c'est-à-dire qu'il galère. Il arrête pas de changer de vente. Moi, je sais qu'on a tous quelqu'un dans cette famille, ce gars qui passe, qui fait de la vente à domicile, mais qui a un nouveau produit tout le temps. Au moment où on le retrouve, il est en train de vendre des robots mixeurs qui peuvent faire 6 mixeurs en même temps. Et en fait, il va voir partout et personne veut de lui. Il dit, mais les gens lui claquent la porte au nez en mode, ça va nous servir à quoi de pouvoir faire 6 mixeurs en même temps en fait. Et à partir de ce moment-là, donc Jake Rock, il va un jour recevoir une commande d'un gars qui commande 3 robots mixeurs à 1000 chèques comme ça. Et lui, sur la commande, il fait, bon, il doit y avoir une erreur, on n'en commande pas 3, ça voudrait dire qu'on fait 18 000 chèques en même temps. Donc il a le gars au téléphone, et ce gars-là, c'est un des frères McDonald's qui lui dit, non, en fait, je me suis gouré, il m'en faut pas 3, il m'en faut 6 ou 8, je sais plus. Et lui, il est là, il fait, mais pourquoi ils ont besoin d'autant de machines? Et du coup, il va traverser tous les États-Unis pour aller voir leur restaurant donc des frères McDonald's, donc le McDo originel en fait. Et là-bas, il va trouver vraiment la manière de fonctionner du McDo. Franchement, si vous aimez McDo, mais c'est pas tellement être fan de McDo quoi. C'est plus le fait de. C'est hyper intéressant de voir comment leur idée a germé parce que c'est vraiment eux qui ont adapté cette idée du Fordisme à la nourriture, à la manière de préparer, le fait que chaque ouvrier avait une tâche à faire et juste ça. Est-ce que vous êtes de traviole là? Vous êtes de traviole, non? J'en ai marre de moi. C'est trop intéressant de voir comment ça leur est venu dans la tête, comment ils ont fait pour commander leur premier restaurant, parce que ça se faisait pas, comment ils ont formé chacun des cuisiniers à faire exactement la même chose, que le sandwich ait exactement la même dose de mayo, enfin vous voyez, et que tout soit relié entre eux. Et en fait, on est passé d'un moment de drive-in, où vous attendiez une demi-heure pour avoir votre commande à un moment où vous attendez une minute, le temps de payer en fait, et c'est trop fort. Et aussi ce qui est hyper intéressant c'est que du coup vous suivez tout ça, mais vous suivez aussi, donc il y a la première partie où vous voyez la manière dont ils ont inventé McDo, et il y a la deuxième partie la manière dont, comment Jake Rock va leur voler l'idée comme un pur... je suis désolée là mais je peux dire bastard parce qu'il le mérite. Déjà je le dis en anglais, vous avez de la chance. Ma batterie clignote. Ensuite je vais passer aux séries. Donc en tout cas Le Fondateur, je vous le conseille vraiment. Les séries maintenant, je vais vous parler de donc On My Block. Donc je vous mets l'image ici. Je l'ai complètement découverte par hasard sur Netflix. J'aime trop Netflix pour ça. Et en fait là-dedans vous allez suivre, donc alors que la rentrée du lycée approche, Mouze, tout juste revenu d'une colo d'écriture, découvre que Ruby et Jamal sont en froid avec César. En gros c'est un groupe de 4 potes, donc 3 gars, une fille, et en plus il va y avoir une nouvelle un peu après. Et en fait un des gars est dans un gang et c'est dans un quartier américain un peu craignos, et on suit un peu leurs histoires. Mais en fait moi ce qui m'a tué c'est que leurs blagues et leur manière de penser c'est tellement la même que moi et mes potes. Genre je sais pas, je sais pas vraiment si ça fera un peu trop ado, je pense qu'il faut que vous essayiez les premiers épisodes. En tout cas je me suis vraiment regardée toute la saison 1 d'un coup parce que ça se fait trop vite.
Et c'est des épisodes d'une demi-heure, je crois, un truc comme ça. Et vraiment, les personnages sont hyper attachants. La fin de la saison 1, vous êtes en mode... What the hell? Et je vous conseille énormément cette série, elle est vraiment top. Ensuite, je vais vous parler d'une autre série. Ça s'appelle The Attachment. Attachment, j'ai quitté l'application. Ce serait pas drôle sinon. Non, The Arrangement. Donc je vous le mets ici. Alors là, vraiment, je me suis regardée limite toute la saison 1 et la moitié de la saison 2 d'un coup. Et stop, Agathe a arrêté. J'en suis à l'épisode, pour ceux qui regardent. J'ai regardé les deux premiers épisodes de la saison 2. Jusque, pour l'instant, il y a jusqu'au 7 qui est sorti. Et en gros, dans cette série, on suit une fille. J'ai carrément aimé, en fait, cette fille. Elle va... Elle rêve de devenir actrice, elle galère complètement. Et un jour, elle est invitée, donc elle a fait un casting. Et elle est retenue pour faire la lecture avec la star avec qui elle va tourner. Qui est, comment il s'appelle, le petit boy. Kyle West, genre l'acteur dont tout le monde parle, que tout le monde aime, que tout le monde veut dans son film, etc. etc. Sauf qu'autour de Kyle West, en fait, il y a une espèce d'institut de... Comment ça s'appelle? Je dirais de l'esprit sacré. En anglais, ils disent... The Institute of the Highest Mind. Et... ouais, je sais. Je rigole, bien sûr, je rigole. Et en fait, c'est grave intéressant. Bon, normalement j'ai résolu le problème de carte mémoire mais pas de batterie, donc on va toujours se dépêcher. Et en fait, donc elle va être prise pour ce rôle avec ce gars, enfin je sais plus trop si elle est prise, mais en gros, ils vont vraiment se lier d'amitié. Et lui, au même moment, il a besoin de quelqu'un pour parfaire un petit peu son image. Et de là, il va lui proposer un contrat de mariage. Oui, oui, oui. Et bah Agathe, en bonne pigeonne qu'elle est, elle a été à fond dedans, genre je l'ai shippé trop entre eux et tout. Et à la fin de la saison 1, il se passe un truc tellement bizarre, genre vous êtes là, vous faites... What? Du coup, vous enchaînez avec la saison 2. Et je sais pas, en fait, la saison 2, elle m'a vite saoulée. Je pense que c'était au moment où j'avais toutes mes révisions des oraux de bac aussi. Donc j'ai arrêté. Je continuerai, clairement, je continuerai parce que je suis curieuse. Mais en fait, j'ai vu le trailer pour le troisième épisode et ça m'a bloqué. Complètement bloqué. Voilà, ensuite, sinon, je suis dans. J'ai commencé une nouvelle série dans la même veine que le livre The Hate U Give. Donc faut vraiment que vous le regardiez. Ça s'appelle Dear White People. Il m'a juste là et c'est trop bien fait. Franchement, en fait, la manière dont c'est raconté, ça me fait vraiment penser à la manière dont la série télévisée des Orphelins Baudelaire est racontée. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est, y a un narrateur extérieur qui vous raconte l'histoire, qui vous présente les personnages. Et jusqu'à l'épisode 6, vous avez un épisode de chaque point de vue. Et à l'épisode 6, ça recommence en gros au même point de vue. Et c'est trop bien. En fait, c'est des étudiants noirs qui font face à toutes les polémiques racistes qu'il y a dans leur université. Et donc, il y a des activistes, il y en a d'autres, voilà. Puis, il y a un personnage auquel on s'identifie énormément. C'est le petit copain de la fille principale. Ok, partie 2 de cette vidéo parce que ma batterie m'a lâché. Et après, ça a été ma carte mémoire. Pour... Enfin bref, gros bazar. J'en étais à vous parler de la série Arrangement en plus. Entre deux là, vous avez l'impression que ça fait 2 secondes, mais non, j'ai eu le temps d'aller entraîner au patin, donc voilà. Il est 7h15, donc je vais le faire vite avant que le soleil se couche. Donc je vous parlais de la série The Arrangement, donc le fait que ce soit machin. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette série, c'est qu'il y a ce truc avec l'institut, comme je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, cet institut, elle est très... je sais pas trop comment dire, mais en fait, tu sens dès le début qu'il y a un truc chelou avec et tu te fais... What, mais pourquoi et tout. Et bah tu finis par comprendre en fait. Tu finis par comprendre, tu te dis mais ils sont tellement ch'tarbés. Ça fait un peu drama pour faire du drama, mais je sais pas, ça se laisse regarder. Les acteurs ils sont sympas, je trouve qu'ils jouent bien. L'histoire, voilà. Après tu te dis, franchement t'es pas con, tu te dis ça peut pas t'arriver comme ça en fait. Tu vois, c'est la fille a eu énormément de chance. Ensuite, on va retourner dans TV Showtime. Je vous ai parlé de Dear White People, The Arrangement. J'en suis aussi à regarder Dynasty. J'ai pas vu les 2-3 derniers épisodes qui sont sortis. Oh, j'en ai qu'un seul de retard en fait. Et franchement, Dynasty, c'est trop bien. Pareil, quand on parlait du drama pour faire du drama, et encore là, je trouve ça mieux ficelé quand même. Les personnages, ils sont vraiment trop intéressants. Chacun est vraiment très bien travaillé. Et ouais, je vous le conseille parce que c'est cool. Puis tu sens quand même qu'il... Il y a du budget derrière dans la série. Riverdale, j'ai un épisode de retard aussi, je crois, vu qu'ils sortent en même temps. Non, j'en ai 3. La fille qui croit être à jour, alors pas du tout. Riverdale, je sais pas, en fait. La deuxième saison, franchement, elle sait se regarder, il n'y a pas de problème ni rien. Mais
Je trouve qu'on a perdu le truc du début où t'avais trop hâte que chaque épisode sorte, tu pouvais pas attendre. Chaque personnage vraiment te. Tu les aimais d'une folie et tout. Alors que là, en fait, t'as l'impression qu'il y a une mini-intrigue à chaque épisode, mais qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue finale au bout. Si vous voyez ce que je veux dire, au début de la saison 2, il y a un des personnages principaux qui va faire un truc. Enfin, qui va aider à faire un truc. Voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà. Mais je sais pas, en fait, le fait que. T'as l'impression qu'il n'y a pas de conséquences à ce genre d'acte. Et t'es en mode, mais en fait, ils vont nous le faire ressortir là au final ou quoi? Du coup, je sens qu'ils vont le faire arriver au final de la saison 2. Franchement, je vais pas trop trop aimer. Ensuite, pareil, Designated Survivor, ça je vous en avais déjà parlé. Cette série, je sais qu'il y en a plein qui ont commencé suite à mon avis. Et franchement, j'adore. Genre, si vous aimez House of Cards, genre tout ce qui est série, ça va vous plaire. Vraiment, ça va vous plaire. Oh, j'ai cru que je filmais pas depuis tout à l'heure. Ensuite, il y a la nouvelle saison de The Royals qui est sortie. The Royals, vous savez que c'est, ça fait partie de mes deux séries préférées ever. Et j'aime bien cette nouvelle saison, même si en fait, pareil, en fait, j'ai l'impression que toutes les séries s'épuisent en ce moment. Je trouve plus le truc où chaque intrigue me passionnait à fond. Là, il y a quand même un peu plus que dans Riverdale, j'ai envie de dire. Aussi, il y a la saison 2 de Casa de Papel qui est sortie. Moi, je sais pas, je suis pas une énorme fan de la Casa de Papel. Je comprends que ça puisse plaire parce que c'est assez novateur, mais bon. Genre je regarde et encore des fois ça me saoule donc je squeeze, genre tout simplement. Ah aussi je vais en décevoir tellement. En fait je suis fan n'importe quoi. Je sais qu'il y a énormément de fans de la série Supernatural, vous me l'avez conseillé mais comme jamais. Et l'autre jour je me suis dit, allez, je regarde l'épisode 1. Sur conseil aussi d'une copine et tout, sauf qu'en fait je suis une énorme flippette et je peux pas, genre vraiment je peux pas. J'ai regardé les 25 premières je crois. Attendez, on va remettre en route Supernatural pour voir où est-ce que j'en étais. Il me restait une demi-heure. Mais déjà, le nom de l'épisode, c'est la Dame Blanche. Comment tu veux que je regarde ça? Ah non! Ah non! Vous voyez, ça, c'est ma réaction. En fait, là, je suis au moment, genre, ceux qui se rappellent à peu près l'épisode 1, quand le mec est tout seul dans sa voiture et qu'il y a une Dame Blanche. Oh, vas-y, je vais encore pas dormir ce soir! Parce qu'en fait, ça me fait trop peur, cette série. Et j'ai vraiment, je vous jure, j'ai regardé le truc en me lavant les dents. J'ai regardé donc 20 minutes, je pense. Je flippais et je sais qu'en soi, genre, je pense que ça peut plaire. Tous ceux qui aiment American Horror Story et tout, ça peut trop vous plaire, je pense. Mais moi, no way. Ça, je hais. Et on m'a dit que ça faisait un peu moins peur après, mais non, non, non. J'ai regardé quoi aussi? Oh, Zoé et Raven. C'est avec ma soeur, ça a regardé cette série-là avec Juliette la petite. Franchement, c'est trop bien. C'est une fille qui arrive sur une île, qui apprend à faire de l'équitation et tout. Et j'ai pas honte de dire que j'étais à fond. Mais genre vraiment à fond, c'est une série Netflix, j'ai hâte d'avoir la saison 2. J'espère qu'ils font une saison 2 parce que c'était vraiment sympa. Donc bah je pense que voilà, cette vidéo est déjà assez longue. Sachez que en tout cas là je vais donc me mettre à jour dans Riverdale, me mettre à jour dans Dynasty, me mettre à jour dans Unreal. Oh putain, j'ai trop bien dit. Unreal, c'est une série en fait qui te filme les. Oh j'aime pas quand on me tutoie dans les vidéos en plus. C'est une vidéo qui vous filme en fait le. L'envers du décor des téléréalités et c'est trop intéressant. Les deux personnages principaux, ces deux femmes, elles ont toutes les deux un âge assez différent et en fait elles sont starbées. Genre vraiment, tu te rends compte que genre d'industrie ça te rend malade. Et ouais, c'est en fait j'ai oublié de me redécaler. J'espère que je vous verrai bien les photos quand même. Ouais, c'était cool, hein. Mais c'est un truc de dingue. Du coup, là c'est la saison 4, je crois qu'il faut que je regarde. La dernière qui est sortie, je vous dis ça sur Tipeee Showtime. Est-ce qu'elle est sortie? La 3, c'est la 3. Ah, elle est sortie en entier carrément. Ok, j'ai un peu de retard, ouais. Aussi, faut que je regarde la saison 4 de How to Get Away with Murder, surtout que j'ai une pote. Je l'ai mise dedans. En fait, j'ai fait. Elle m'a dit, t'as pas une série à me conseiller? Que j'ai regardé, j'ai fait, allez, on se dit que oui, quel genre tu veux? Elle me fait, le genre qui me fera rater mon bac. J'ai dit, j'ai ce qu'il te faut. How to Get Away with Murder. Et hop! Elle a raté son bac. Je rigole. Non, franchement, elle est à fond dedans. Elle m'a dit, pourquoi tu m'as donné ça maintenant? J'ai dit, hey, c'est toi qui m'as demandé. Hein. The Sang aussi, faut que je. The Sang. J'ai toujours The Sang. The Hundred, faut que je reprenne. Faut que je continue aussi. En fait, il s'est passé un truc tellement triste. Je me suis arrêtée à l'épisode. À la saison 3, épisode 11. Et en fait, il s'est passé un truc trop triste. Et du coup, j'étais en mode. Non. Mais franchement, j'aimais bien. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai Reign. Reign, je me suis arrêtée à la saison 4. Au début de la saison 4, parce qu'en fait, pour moi. À partir du moment où tu ne vois pas l'épisode, ce que tu présages qui va se passer, donc ceux qui ont avancé dans la série, je pense, vous voyez de quoi je parle, n'arrive pas. Donc pour moi, tout le monde va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et non, il n'y a personne qui est mort encore, même si tu sais très bien en fait que quelqu'un est en train de mourir. Et bah non, et bah non. Et du coup, moi je suis trop contente. Mais en vrai, j'aime trop Reign, vous savez que j'aime trop Princesse et tout, du coup.
je vais reprendre aussi. Mais j'attends, en fait, je pense que je vais attendre qu'elle soit sur Netflix la saison 4 pour être bien. D'ailleurs, en parlant de Netflix, vous allez me dire, waouh, ouais, mais Agathe, tu payes 15 euros par mois et tout. Non. Non. Le parrain de ma soeur, je crois que je vous l'avais déjà dit, le parrain de ma soeur en fait nous a donné un code. Du coup, c'est trop cool. Des fois, il m'appelle, il fait, tu peux t'enlever Netflix. Du coup, je fais, je suis pas sur Netflix. Alors que si, non, je rigole. Je rigole. En vrai, le soir, il m'a appelé et j'étais en ville. Il me dit, Netflix, ça marche plus. Il était désespéré. Et je vous jure, en fait, des fois, je me connecte et ça me met, vous pouvez vous connecter. Il est déjà connecté en fait. Et il est tout le temps connecté. Il passe sa vie sur Netflix. Il est trop bien. Il est trop bien. Et aussi, j'ai regardé Black Mirror. J'ai regardé toute la saison 1, en fait. Je vais me la marquer comme vue. J'ai trouvé ça très bizarre. Franchement, c'est le but de la série, de te mettre mal à l'aise et tout. Il n'y a pas de problème. Il y a le premier épisode. Franchement, je pense, pour moi, c'est le meilleur de la saison 1. C'est un épisode où, en gros... non, j'ai pas trop envie de vous dire. En fait, il faut savoir que chaque histoire est séparée, que chaque épisode se voit indépendamment. Donc, si vous voulez commencer par la saison 4, il n'y a aucun problème. Et le but de chaque épisode, c'est de vous montrer un petit peu l'envers, si je peux dire, des... télé-réalité, n'importe quoi. De la société, les dérives qu'il peut y avoir, ça vous force à ouvrir les yeux et tout. Et en fait, dans le 1, c'est vachement sur la curiosité malsaine, sur les médias et tout. C'était super intéressant. Quantico ? Je suis pas à jour dans Quantico ? Ah, mais j'en suis à la saison 2. Ah, pas voir les spoilers, non, non. Saison 2, épisode 21. Ah ! Vous voyez, moi, je suis la reine. Pour m'arrêter 2 épisodes avant la fin. Mais dans plein de séries, Black Mirror, pas Black Mirror, la fille ou la fille, elle est tatouée partout. Pareil, ça m'arrive tout le temps. Et Shadowhunter, ça a repris la saison 3. Il me restait le dernier épisode de la saison 2, comme je venais de vous le dire. Et du coup, faut que je reprenne. Voilà, sinon j'avais regardé aussi Famous in Love. C'est une série, c'est un peu le même délire que The Arrangement, en fait. Donc je pense que je vais reprendre. Tant qu'à faire, voilà. Et ben voilà, j'espère que vous avez trouvé plein d'idées de vidéos. J'espère que j'ai pas fait que taper là-dedans parce que ça a dû être hyper énervant toute la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Donc mardi prochain, je pense que je vais en poster une chaque mardi. On va enlever celle du vendredi parce que ah, c'est pas possible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. God's